Vous plaisantez, monsieur Castaner. Adapté du roman Vous plaisantez, monsieur Tanner, de Jean-Paul Dubois. Il est sûrement nécessaire de préciser, prix Goncourt 2019, quand on s'adresse à un public soucieux des péripéties politiques. Le maître du monde virtuel et formel, aucun résultat trouvé pour, entre guillemets, vous plaisanter, monsieur Castaner. Je vais donc créer une nouvelle expression, car être ministre de l'Intérieur peut sembler aussi compliqué que restaurer une vieille demeure, sujet du roman de l'écrivain toulousain. Souvent, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait en moi. Il n'était pas normal d'attirer à ce point les ennuis et les canailles. Non, ce n'est pas M. Castaner chez son psy, mais M. Tanner confronté aux artisans, mais on peut hésiter au grand jeu du « qui a dit quoi ?». Me lançant dans cette chronique sur un homme jamais interviewé et jamais vu à la télé, que je ne regarde plus depuis les années 1990, j'ai cherché ses plus belles citations. J'ai trouvé « Le mot d'ordre est clair, restez chez vous !» Monsieur Castaner l'aurait proféré sans donner l'impression de plaisanter en conférence de presse le 16 mars 2020. Vous plaisantez, monsieur Castaner. C'est ce qu'aurait pu répondre au ministre de l'Intérieur Camélia Jordana, une chanteuse qui ne chante pas du ternoise et dont les propos suscitent l'attention du pote de M. Macron. Cet artiste a prétendu « Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. » Et plutôt que de rétorquer « Quand des milliers de personnes ne se sentent pas en sécurité face à un flic, je m'adresse à l'ensemble de la vénérable profession. » Je les remotive. Des millions de nos concitoyens doivent trembler. Mais il n'en fut pas ainsi. Le chef des flics a tweeté, car chez ces gens-là, on tweet pour être tweeté, le 24 mai 2020. Non, madame. Les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue ne se font pas massacrer pour une autre raison que leur couleur de peau. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. Et personne pour oser lui balancer. Vous plaisantez, monsieur Castaner. La France est peut-être un pays de soumis ou de tweeteurs peu littéraires. Peut-être même les deux. La même réplique aurait également pu retentir au Conseil des ministres, où le même a prétendu transmettre un ordre du fantôme de Charles Pasqua. Elles font terroriser les tuniques jaunes. Oui, tunique, car du temps de Charles Pasqua, le jaune était d'abord associé au pastis. Coluche parlait de salopette et les cyclistes de maillot. Et M. Castaner ne fut pas mis au repos, car il n'est pas le premier à témoigner des apparitions de Charles Pasqua place Beauvau. C'est un autre sujet. Vous plaisantez, M. Castaner, c'est ce qu'aurait dû lui répondre Agnès Buzyn quand il lui aurait conseillé « Il faut terroriser le coronavirus ». Elle a préféré démissionner. Vous plaisantez, M. Castaner, c'est ce qu'aurait pu répondre au ministre de l'Intérieur des policiers quand @ccastaner notait « Une vidéo montrant une intervention de police dans le secteur de l'île Saint-Denis suscite une indignation légitime. Toute la lumière sera faite, l'IGPN est saisie. » Le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine. Pour parfaire ma connaissance, en vue donc de cette chronique, faute de pouvoir consulter le petit Castaner illustré, que font les éditeurs, j'ai ouvert la page Christophe Castaner sur WikiTruc. Et si elle était truffée d'erreurs, je pense qu'un ministre de l'Intérieur aurait obtenu une mise à jour. Donald Trump menace bien de fermer Twitter, coupable d'avoir osé mettre en doute le bien fondé de ses propos. À 17 ans, comme le chantait Claude François, Castaner le jeune est parti de chez lui. Et durant 2 ans à Marseille, il a gagné sa vie en jouant au poker. Il se liait ainsi avec un certain Christian Oraison, caïd des Alpes de Haute-Provence, dit de la Dream Team, abattu par balle en 2008. Oui, c'est noté. Monsieur Castaner aurait donc déclaré « C'était mon grand frère, mon protecteur. Il m'appelait l'étudiant. Il a étudié.
Et à 20 ans, en 1986, suite sûrement logique après ce parcours, il devenait membre du Parti Socialiste, y restant de longues années, obtenant même avec cette étiquette le statut de maire et député. On le note encore tête de liste PS aux élections régionales de 2015. En 2016, il rejoignait En Marche. Et le grand public le découvrait porte-parole à la campagne présidentielle de 2017. Et personne, depuis 2006, la sortie du roman de Jean-Paul Dubois, pour lancer « Vous présentez Monsieur Castaner ». Mais où sont les impertinents de la République? On attend maintenant qu'à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin, ou une autre, oui, ose reprendre cet aphorisme. Comme le journaliste du Monde ayant lancé le rapprochement Ségolène Royal-Bécassine sans signaler l'existence de ma parodie de chanson, pourtant alors déjà en ruine depuis 6 mois, un successeur de Dominique Dombre s'appropriera peut-être cette expression. Si le monde littéraire était déconfiné, on aurait pu imaginer la parution d'un « Vous présentez, Monsieur Castaner », le nouveau roman de Jean-Paul Duboiteux, célèbre cousin d'Emmanuel II, princesse de Macronie, qui n'est pas une province belge, ne confondez pas avec la Wallonie. Et salonduivre.tv aurait obtenu une interview exclusive de son auteur par Bernard Poivreau. Tandis que dans le microcosme politico-littéraire, les grandes hypothèses fleuriraient sur la véritable identité de l'auteur. La vie kersinoise osant suggérer Aurien Radier, tandis que le nouvel Obs y verrait une vengeance de Benjamin Grivois. Vous présentez Monsieur Castaner, c'est depuis le 1er juin 2020 une expression reconnue par le maître du monde virtuel. Eh oui!